Dans cet épisode, vous verrez que Ganga a pris une photo d'elle et de Sagar près du feu, puis a éteint le feu avec sa main. En regardant la photo, elle a dit « Où es-tu, Sagar ?»« Nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas ?» C'est pourquoi nous nous aimons et nous comprenons tellement que nous n'avons même pas besoin de nous dire quoi que ce soit. C'est ce qui rend notre lien fort. Alors que Sagar passait du temps avec ses amis, il a eu le hoquet et a dit « Je me demande qui se souvient de moi ?» Janvi a déclaré « Je dirai le nom de chacun un par un. Celui qui fait cesser le hoquet est celui qui se souvient de vous. » Janvi a nommé tous les membres de la famille de Sagar à l'exception de Ganga, mais son hoquet ne s'est pas arrêté. Puis Janvi a dit « Qui reste ?» Sagar a répondu « Ganga » et son hoquet s'est arrêté. Il a commencé à rire et a dit « Ganga se souvenait de moi. » Un ami a demandé « Qui est Ganga ? Votre sœur ou votre cousine ?» Sagar a répondu « Ganga est mon plus cher ami. » Puis un autre ami a dit « Est-ce juste une amie ou est-ce qu'il y a de l'amour en jeu ?» Son ami a dit « Ouais, c'est probablement pour ça qu'elle se souvient autant de lui. » Janvi, tu n'as aucune chance. Sagar a déclaré « Il n'y a rien de tel, Ganga est ma meilleure amie. Nous sommes proches depuis l'enfance, donc penser à elle de cette façon est impossible. » Pendant ce temps, Ganga a remarqué que sa main était brûlée et en regardant la photo, ce n'est rien comparé aux années de tourment que j'ai endurées. Cette brûlure n'est rien devant ça. D'un autre côté, Sagar parlait de Ganga à ses amis, l'amour a besoin d'un peu de mystère. Vous devriez explorer et apprendre à connaître la personne. Je connais Ganga depuis l'enfance et je sais tout d'elle. C'est pourquoi l'aimer est impossible. Ganga, en regardant la photo de Sagar, a dit « Je t'aime, Sagar ». Pendant ce temps, Sagar a déclaré « Je n'ai jamais regardé Ganga de cette façon. Un meilleur ami n'est qu'un meilleur ami, pas un amant. Aucune chance. » Kanta a appelé Ganga à l'intérieur alors qu'elle parlait au prêtre et avait l'air inquiète. Ganga est entrée et a dit « JP, ne dérange pas ma sœur. Va dehors et joue. » Marie a déclaré « Il est toujours après moi. Il m'a rendu la vie difficile. » Ganga a dit « Il vous suivait juste. » Et au fait, son nom est Jalbi Prasad, pas JP. Kanta disait au prêtre de trouver une bonne fille pour Pulki, une fille très spéciale. Ganga leur a apporté du thé et le prêtre a donné quelques photos de filles à Kanta. Kanta commença à parcourir les photos. Ganga a demandé ce qu'elle faisait, mais Kanta n'a pas répondu. Alors Prabha est venu et a demandé ce qui se passait. Kanta a dit « Je cherche des filles pour Pulki, qui d'autre ?» En entendant cela, Ganga fut surpris et pensa « Pulki BM Saloni, n'est-ce pas ?» Puis Madhavi est venu et a dit « Je pense que nous devrions fiancer Pulki quand Sagar viendra cette fois-ci. » Ganga a dit « D'abord, demandez-lui. Il pourrait aimer quelqu'un d'autre avec qui il veut passer sa vie, que ce soit un partenaire ou un ami. Quoi de mieux que ça ?» En entendant cela, Madhavi s'est souvenu de l'enfance de Sagar et Ganga et a dit « Ganga, va faire ton travail. Ne parle pas entre les aînés. » Prabha a déclaré « Pulki ne fonctionne même pas. Pourquoi quelqu'un l'épouserait-il ? Tout d'abord, marier Sagar. » Ganga a dit avec colère « Pourquoi ? Sagar est plus jeune. L'aîné devrait se marier en premier. » Madhavi a réprimandé Ganga et lui a fait signe de partir. Ganga est allée à la cuisine avec colère, se remémorant son enfance avec Sagar et a dit « Sagar n'est qu'à moi. Il m'a tenu la main pour la vie. Comment peut-il épouser quelqu'un d'autre ?» Pendant ce temps, Sagar et Janvi étaient assis et Janvi a reçu un appel. Après avoir parlé, elle a raccroché. Sagar a demandé de qui il s'agissait et Janvi a répondu « Mon frère vient me chercher. » Sagar a dit « Oh, il avait un rendez-vous aujourd'hui. » Comment ça s'est passé ? Janvi a baissé le pouce et Sagar a ri. Janvi a demandé pourquoi il riait. Sagar a déclaré « Chaque fois qu'il emmène une fille à un rendez-vous, il échoue. Votre frère ne se mariera pas dans cette vie. » À ce moment-là, le frère de Janvi est entré et a demandé pourquoi. Janvi l'a rencontré, il s'est assis avec eux et leur a dit « Je vais me marier et je trouverai une bonne fille. » Sagar a demandé « Qu'est-ce qu'une bonne fille ?» Sahil a répondu « Je ne sais pas. » Sagar a commencé à se moquer de lui et à poser plus de questions.
Janvi a également commencé à demander quel genre de fille il voulait. Sahil a dit, simple, douce et différente des autres filles. Sagar a commencé à plaisanter sur le fait d'amener une fille du bon vieux temps et a dit, quand l'ère de ces filles à l'ancienne se terminera-t-elle? Les qualités que vous avez mentionnées se retrouvent chez les filles à l'ancienne. Trouverez-vous de telles qualités chez les filles d'aujourd'hui? Pendant ce temps, Ganga est allé voir Pulki et lui a dit, fais quelque chose. Il cherche une fille pour toi. Pulki s'est inquiété. Ganga a dit, si vous l'aimez vraiment, rassemblez votre courage et dites-le à tout le monde. Pulki a dit, vous ne comprenez pas, Saloni ne me parle pas, alors comment puis-je le dire à tout le monde? D'abord, je dois demander à Saloni. Ganga a dit, vous vous aimez tous les deux, alors faites simplement avancer les choses. Pulki a déclaré, c'était il y a longtemps. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle a dans le cœur. Je vais lui parler. Tout en parlant, Pulki a vu la main brûlée de Ganga et a demandé comment cela s'était passé. Ganga a déclaré, en travaillant dans la cuisine. Pulki a dit, vous devriez être prudent. Il apporta de la pommade et l'appliqua sur sa main. Ganga a dit, vous n'avez pas changé du tout depuis toutes ces années. Vous prenez soin de tout le monde, mais pourquoi Saloni a-t-il changé? Je pense qu'elle est peut-être occupée. Elle t'aime toujours, j'en suis sûre. Parle à ta famille. Le véritable amour n'arrive qu'une fois dans la vie. D'un autre côté, Sahil a déclaré, oui, le véritable amour n'arrive qu'une fois. Le jour où je rencontrerai une fille qui pense comme moi, je saurai que c'est celle que j'attendais. Sahil a déclaré, vous pouvez le savoir en regardant, mais vous avez besoin d'une bonne perspective. Sagar a commencé à le taquiner. Janvi a réprimandé Sagar et a dit, ne pensez-vous pas que vous pouvez le dire à leur visage? Mon frère le sait. Sagar a dit, ouais, je pensais aussi interroger Sahil sur mes amis, pour savoir quelles sont leurs pensées. Il a sorti son téléphone, qui contenait des photos de tous ses amis, et l'a donné à Janvi, lui demandant de le montrer à Sahil. Sagar était inquiet. Sahil a dit, Sagar, ça va? Janvi a dit, mon frère aime Ganga. Cela ne vous pose pas de problème, n'est-ce pas? Sagar a répondu, non, je n'ai pas de problème. C'est ma meilleure amie, mais elle est veuve. Sahil a dit, cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas de sa faute. Janvi a dit, mon frère est tombé amoureux de Ganga. Cela pourrait être bon pour elle aussi, n'est-ce pas, Sagar? Sagar ne dit rien. Janvi a poursuivi, maintenant, tu vas les réunir, n'est-ce pas? Je sais que Ganga et vous êtes les meilleurs amis, donc mon frère ne sortira pas avec elle sans votre permission. Vous les aiderez à se rencontrer, n'est-ce pas? Vous voulez Ganga? Avoir un bon partenaire, n'est-ce pas? Sagar a déclaré, oui, il ne peut pas y avoir de meilleur partenaire que Sahil. De plus, nous allons tous les trois à Banara. Je présenterai Sahil à Ganga là-bas. Mais convaincre Ganga est de votre responsabilité. Pendant ce temps, Ganga disait à Pulki, l'amour a tellement de pouvoir qu'il attire votre amour vers vous. L'amour, c'est avoir et perdre. Même si vous vous perdez dans cet amour, ce n'est pas grave. Même si toute la famille est contre vous, ce n'est pas grave. Le cœur n'abandonnera pas. C'est ça l'amour. Il vous donne la force de combattre les tempêtes et d'affronter les difficultés, peu importe l'ampleur des obstacles, l'amour ne s'agenouille devant personne. Ganga a commencé à se remémorer son enfance et a dit, « Pulki Bé, tu aimes tellement Saloni, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vivre sans elle. Alors, pourquoi laisser quelqu'un d'autre l'emmener? Ne laissez jamais cela arriver. » Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?